c'est un lieu qui est très vivant. Je pense que les citoyens du quartier se le sont vraiment appropriés. Il y en a qui appellent ça leur deuxième patio, leur deuxième cour. Ce qui est super important, c'est ce lien entre la bibliothèque et la maison de la culture. Parce qu'on a vraiment deux édifices où on pourrait facilement être autonome chacun de notre côté et sans avoir ce pont sur lequel on travaille ensemble. Puis ça, je pense que c'est une grande réussite. L'an dernier, on avait aussi des aides bibliothécaires qui venaient passer du temps sur le patio, passer du temps avec les citoyens, faire connaître la bibliothèque. Des fois, les gens n'osent pas rentrer dans la bibliothèque, mais là, en étant installés sur une chaise transat, on peut discuter un peu plus, faire connaître les services. Je pense que c'est une grande réussite, le patio culturel, au-delà de travailler ensemble et de servir le citoyen. Je pense que le citoyen fait partie du patio culturel. Il n'est pas mis à part, ça fait partie de l'équation.